Je joue le personnage de Alison Rowdy. Elle travaille pour le ministère de l'Intérieur à Londres. Et c'est un personnage assez complexe qui est comme ça. On a l'impression qu'elle a une vie parfaite, une vie idéale. Elle a un job très prestigieux. Elle a une relation amoureuse idéale, il semble. Et un jour, son ex-amant français refait surface dans sa vie et tout bascule. La relation entre Gabrielle Delage, jouée par Vincent Cassel, et moi, Alison Rowdy, est assez tumultueuse, très tendue, parce qu'il s'est passé quelque chose il y a plusieurs années, très mystérieuse, et qui explique leur tension. Et donc, ils s'aiment, ils se détestent. C'est très, très, très compliqué, et très excitant, très passionné. C'est une histoire qui a plusieurs couches. Il y a, évidemment, c'est un thriller politique, il y a du suspense, c'est un peu un film d'espionnage comme ça. Mais moi, j'avoue que ce qui m'a vraiment plu, c'est l'histoire d'amour, cette histoire d'amour impossible. Je crois que c'est toujours. Les plus belles histoires d'amour sont toujours un peu compliquées, un peu impossibles. Et oui, il y a beaucoup de cœur dedans.